nature humaine refait surface au beau milieu de là où nul ne l'attendait, tel un prédateur bondit sur sa proie, laissant là pantois toute une assemblée des hommes de culture, venus la rendre hommage à leur illustre disparu. Se voilà mis à l'écart par ces politiciens sans vergogne, qui se la jouent classe au point d'en usurper le suffroît par une couverture politico-médiatique, en entachant là le deuil des politiciens qui crachent sur la main de ceux qui les ont nourris et portés là où ils sont à ce jour. C'est vraiment mais lamentable. Réaliser à quel point on a été berné par ces encanailles pour ces artistes qui leur ont servi de paillassons pour accéder à la demeure mais tant convoitée, qui donne de l'autorité de tout ce qui s'ensuit, tripoté, malaxé, cajolé mais manipulé dans tous les sens, au point de les avoir si bien embrouillés mais l'esprit, dans ce long sommeil léthargique, d'où ils en reviennent par un sursaut d'orgueil, comme sorti d'un cauchemar, réalisant que les autorités n'ont eu égard et continuent là à mener bon train, grand train. Autant le coup était si violent par l'humiliation de ces autorités à l'endroit de ces artistes que leur réplique fut encore plus foudroyante que dévastatrice, voire fatale. Voilà que les artistes congolais ont fini cette fois-ci par réaliser qu'ils n'ont été jusque-là qu'un jouet de propagande aux mains de ces politiciens, mais sans foi ni loi, d'où l'arrogance est devenue mais un modèle du genre, véritable code de bonne conduite. Aujourd'hui, un artiste célèbre, reconnu par la profession et par le public, qui meurt, c'est du pain mais béni pour les autorités en place, qui en font un show leur affaire, par ces larmes des crocodiles qu'ils versent, tirant là la couverture médiatique de l'événement. La RD Congo, seul pays mais au monde, où les autorités font du show sur la dépouille de ces célébrités, tenant à distance les véritables orphelins de la profession. Chapeau bas, les artistes, vous avez eu les mots qu'il faut au moment où il fallait. Et votre sortie, un véritable chef-d'œuvre, un coup de maître, un coup de génie, dont le génisme ne saurait être contesté. Les mamans, chapeau bas. Qui a dit que les artistes congolais n'avaient pas de la poigne, n'avaient plus du répondant, étaient abîmés, étaient abîmés. L'heure est grave. La raison est en train de s'emballer pendant que les valeurs perdent de leur vitesse et surtout de leur superbe, bafouée par une classe politique qui n'a plus de notion de valeur et en devient un véritable danger public. S'il vous plaît, tâchons à ce que la raison ne vienne pas à supplanter la conscience. À bon entendeur, salut.